parier gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Salut Ben et salut Damien. Salut. Salut tout le monde. On a tout le monde. Bon, on n'a pas la vidéo, hein, on s'est fait un petit podcast. On le fait Rapidus. Cette semaine, on le fait en loose day. Je le concède. On n'a pas pu enregistrer hier à cause de moi. Voilà, c'est comme ça. Pour une fois que c'est pas à cause de moi, ça va. Ben voilà. Et ben alors, du coup, on enregistre ce matin, on le fait, on va le faire rapide, efficace et bien comme il faut. Est-ce qu'on est obligé de parler de ce qui va plomber la fin de saison? On fait ça? Non, on parle pas de ce truc-là. Là, ça commence à me saouler. Donc, on ne cite pas le truc. On lui fait pas de pub. Allez, hein. Voilà, c'est ça. Non, il est capable de se propager. Allez, il y a quand même pas mal de. Non, on ne fait pas de pétition. Non, c'est bon. Allez, on joue. Il y a pas mal de choses qui vont se dérouler ce week-end. Donc, on parle de ça. Ok, et ces choses qui vont se dérouler ce week-end, il y aura plein de matchs de hand, puisque journée de Ligue des Champions féminine. Tout à fait. On l'attend avec impatience, déplacement à Murrayfield. L'équipe de France va aller affronter l'Écosse. Yeah. Soyez là aux hymnes, parce que c'est un moment sympa qu'on est en Écosse. Comme c'était sympa aussi au Millennium. Tu savais que l'hymne breton, c'est en fait... L'hymne gallois. C'est ça, mais j'ai oublié le... Tu me regardes, mais j'ai... En gaélique. Excuse-moi. C'est ça, je cherchais le mot. Ouais. Voilà. Tu voulais m'apprendre un truc? Non, mais je pense c'était que c'était l'intention. Est-ce que c'était l'intention? Non, mais tu le sais, je pense. Ouais. Voilà, excuse-moi. Attends, oui, tu l'as même pas. Non, aimé. Mais un jour faudra le mettre en fin d'émission. Voilà, tu le lances pour clôturer. Une version de quoi? De l'hymne gallois? Non, d'une autre. Ah, d'accord. Ça peut être sympa. Bah, les gens, ils ont qu'à écouter l'hymne gallois, alors. Mais si tu veux. Mais bon, bref. Il veut pas la mettre. Bon, bah, ce sera le programme rugby. En tout cas, 6 nations. On parle de la journée d'après ou pas? Attends un peu. On va attendre la semaine prochaine. Chaque chose en son temps. Ouais, mais c'est ça. Ouais. On vit au jour le jour. Allez, chaque chose en son temps. Et puis, normalement, une journée de Ligue 1 ce week-end. Ouais. Normalement. Ouais. 108 clos. Alors, au rugby, il y a quand même championnat anglais, la Pro D2 et le championnat celte. Il n'y a pas de top 14. Hein. Ah. Désolé. Bon, c'est comme ça. Bah oui, mais il y a 6 nations. Ben oui, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une journée anglaise. Non, mais voilà, il y a un match de Pro 14 et puis il y a de la Pro D2 et du Super Rugby. Voilà, mais bon, après, chacun décide s'il fait une journée ou pas, mais en top 14, il n'y en a pas. Ok, on commence par le hand. Allez. On y va, tout foufou. Ouais, j'ai pas dit, il y aura du foot aussi en fin d'émission. Bien, bon, bien sûr. Voilà. Évidemment. Et puis un peu de MMA, vu un que Adam est là. Pas de cyclisme, vu qu'il n'y en a plus. Alors. Je sais pas pourquoi. C'est fou, ça. Allons-y, on t'écoute. Je vous lance sur quoi? Je vous lance sur le déplacement, la victoire quasi assurée du BBH en Suède. Bah, d'ailleurs, c'était une question que je posais à Adams. Je demandais qui était parti dans l'équipe, parce que si Laurent Bezeau avait envoyé une équipe B, je réfléchissais pas pareil en fait. Oui. Donc il m'a dit qu'ils ont envoyé la grosse team, qu'ils sont motivés, qu'ils veulent gagner. Donc en gros, j'ai envisagé peut-être une petite surprise. Bon, il n'y en aura pas. Donc voilà. Donc tu as du Brest. J'avais vu l'autre jour du Brest 1-0-8, mais c'est descendu un peu 1-0-5. Ça tend vers le 1. Logique. Mais tu sais, tu prends du 1-0-5, 1-0-8, c'est value hein, pour un match comme ça. Parce que Saverve, c'est la pire équipe. Ils ont tout perdu de toute façon. C'est ça. Main round, donc, Sinon, on les a battus de 10 buts chez nous. Par là, 10 buts. Voilà. Ouais. Donc, c'est carrément value à 1-0-3. À 0-8, non mais t'as moyen de la trouver à 1-0-8, c'est value. Pour les francophones de l'étranger, d'ailleurs, l'autre jour, quelqu'un m'a mis un commentaire disant « Dis donc, il y a beaucoup de francophones de l'étranger. » Je dis qu'ils doivent nous écouter. Je dis « Il y en a sûrement quelques-uns. » Donc, je suis obligé d'utiliser ces chemins-là pour en parler. Mais un petit Brest à un handicap alternatif de... j'allais dire moins 4, m'intéresse grandement. Oui. La cote serait autour de, pense, un 30, un truc comme ça, un 40. Ça, c'est très bon à prendre. Voilà, pour ceux qui peuvent. Ne vous gênez pas à combiner ou à recombiner. Avec quelque chose. Pour grossir un peu. C'est ça. Voilà.
Tout à fait. Ben, avec quoi sur cette prochaine journée? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Est-ce que Metz qui va aussi en Suède, à Esbjerg? Bon, ça, j'y touche pas. Non, c'est le match qui va certainement destiner du sort de l'équipe qu'on va rencontrer en quart de finale. De toute façon, c'est si Metz va gagner à Esbjerg, ça sera sûrement contre Bucarest qu'on va tomber. Donc voilà. Quitte à choisir, je préfère Bucarest, honnêtement. Alors, il y a Bucarest qui joue contre Kristiansand, joueur du 1-22, pas mal. Ça c'est bien, c'est pas mal. Ça aussi, parce que 1-22, il faut qu'elle gagne. Kristiansand n'a plus rien à jouer. Niagoula, ça doit le faire. Ouais. Et Rostov Fenerbahçe là. Si, Rostov, ça va passer. C'est un problème. Ah, bah du coup, un petit combiné Rostov Bucarest. Bah écoute, c'est comme ça sur le papier, ça paraît le truc à prendre. Bah, voilà, comme ça, Rostov va assurer sa deuxième place, c'est important aussi déjà. Donc parce que ça Rostov peut encore va bouger. Se permettre de perdre. Si Esbjerg et Bucarest passent, Rostov peut descendre un peu dans le classement puisqu'elles sont à 2 points, tout ça. Donc Pour nous, ça nous semble la logique. Alors, la logique dans les paris, on connaît, mais ça nous semble pas mauvais du tout à combiner ces deux-là, sachant que de toute façon Fenerbahçe joue plus rien contre Rostov, ils sont peut-être en libre, et Bucarest, Kristiansand. Donc en fait, on vous donnerait à combiner Bucarest Rostov parce que c'est deux équipes qui doivent vraiment gagner contre deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. Donc déjà niveau motivation, la différence est là, et puis vous pourriez même rajouter si et vous le trouvez. Pardon, j'ai pas entendu. Et Budugnost qui joue à l'extérieur. Ouais, mais le problème c'est que Budugnost qui gagne ou qui perd, il change pas de place, il reste 3ème. Ça change rien. C'est tout là il jouait donc. Donc la motivation. Brest, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que j'avais demandé à Damien. Mais apparemment l'équipe veut garder la bonne dynamique de victoire pour préparer le match de Dijon. On en est où là dans ce main round là? C'est la dernière journée. C'est la dernière journée. L'écart, ça commence quand? Le 11-12. Avril. 11-12 à la maison. Donc, il y a un petit moment, on retourne sur les compétitions nationales. Ouais, il y a une trêve. Il y a une trêve internationale de deux semaines. C'est ça. Il y a une journée le samedi prochain contre Dijon. Il y a un match de Coupe de France entre les deux. Oui. Une trêve de 15 jours. Saint-Maur. Ça va passer tranquille. Donc, une trêve internationale. Après, on démarre avec Metz. Cool. Juste après la trêve. Ah, donc, pour qui va finir premier en saison régulière. Ouais, voilà. Sur ce match-là, c'est bien parce que les deux équipes vont être décimées. Elles vont toutes être parties en sélection nationale, donc elles vont arriver au même point. Donc tu te dis que elles vont rentrer le samedi ou le dimanche, elles se rencontrent le mercredi. De toute façon, le BBH l'a annoncé. Hein. On se rejoint même pas à Brest, on se rejoint direct à Metz et on s'entraîne là-bas. Bon, comme ça, c'est réglé. Donc ce sera un match intéressant à prendre. Et puis après, il y aura. Je crois qu'il y aura déjà on sera déjà au premier quart aller, et après le 11-12, c'est le retour par contre, qui se déroulera à la maison. Et le Final Four? Le Final Four, c'est un peu plus tard, mais j'ai pas la date exacte. D'accord. Bon, il y a un quart retour pour Brest, oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud bouillant. Franchement, vu ce qu'elles ont proposé, si elles font un match correct au match aller, on peut dire que le match retour sera plus facile. Voilà, si tu perds à Bucarest d'un ou deux buts, je pense que tu peux le faire pour match retour. On vous en reparlera, sûr, mais il y aura des choses à faire. Beaucoup de choses peuvent bouger d'ici là, avec la trêve internationale. Des blessures, bref. Et en général, c'est pas très bon les trêves internationales. On va suivre ça pour vous. Avant les gros matchs. On va regarder tout ça. Ok, Dak. Sachant que c'est dans un mois tout ça, c'est dans longtemps. Il va se passer tellement de choses. Par exemple, on ne lui fera pas de pub. On enchaîne avec le rugby, avec ce beau match qui attend les Français à Murrayfield. Beau ou pas? Parce que s'il pleut des cordes, la tempête, ça va être comme l'Écosse-Angleterre, tout est bien dégueu. Mais à mon avis, il ne va pas chercher la météo, vu ce que moi j'ai vu sur mon application météo, où les 10 prochains jours, j'ai que vu un nuage gris avec de la pluie. Je pense que dans le nord, c'est pas soleil, 20 degrés. Donc à mon avis, il ne va pas faire très beau. En plus, qu'ils n'ont pas de toit, c'est pas comme à Cardiff, ils n'ont pas de toit rétractable. Donc ce sera, avec les éléments. Vas-y, confirme-moi ça. Ça joue quand? C'est samedi après-midi. C'est samedi après-midi, c'est ça. Samedi après-midi. Ah, dis-moi. Ah, on fait un point météo en direct pour vous. Alors, c'est prévu un peu de vent. Ouais. Non, c'est dimanche.
C'est dimanche. Scusi, ah, dimanche après-midi. Si c'est dimanche après-midi, vas-y. C'est plus jouable. Bon, il y aura une espèce de petit crachin breton tout dégueulasse. Bon, ça c'est classique. Bon, ça c'est leur beau temps à eux. Mais non, parce qu'ils avaient prévu quand même un petit 40 nœuds le samedi après-midi. Ouh, ouais, oui. Et le dimanche, vas-y. Et le dimanche, un petit 26 entre 26 et 30. Ouais, ça a soufflé quand même. Bon, en gros, c'est un temps écossais, mais rien de bien. On a l'habitude. C'est l'habitude quoi. Enfin, nous, on a l'habitude ici. Oui, pas l'équipe de France. Oui. Quand t'es du Gers. C'est pas pareil, parce qu'il y a plus de mecs du Sud-Ouest, c'est qui clair. Jouent que des mecs. Le terrain sera sûrement gras et tout. Ça va jouer avec ligne avant. Bon, normalement, on est plus puissant que les Écossais, c'est pas forcément leur point fort, la ligne d'avant. Donc, ça devrait quand même le faire. Voilà. Bah, il faut que ça le fasse, parce qu'après, il y a un grand chelem en jeu, quoi. Oui. Oui, ouais, bah, non, mais on... ok, d'accord, mais déjà si tu pouvais juste gagner le tournoi, ça serait déjà très bien. Tu aurais signé direct dès le. Ouais, mais tu vas pas te foutre dans la merde si tu postules pour une première place et pas en allant loser en Écosse. Ah non, mais moi je préfère qu'il gagne parce que quand je vais aller à France-Irlande, oui, ce sera si j'y vais, je ne ferai pas de pub. J'y serai pour Grand Chelem et voilà. Donc moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je veux qu'il gagne le Grand Chelem. Tiens, d'ailleurs, j'avais une question pour ça parce que. Vas-y. Tu sais, il y a les matchs reportés de l'Italie, tout ça. Mmh. Est-ce que du coup, ça peut annuler les paris en termes de Grand Chelem, tout ça ? Je vais juste te dire que pendant la Coupe du Monde, il y a eu un typhon, il y a eu des matchs nuls. Voilà. Je ne peux pas te dire ce qui se passera plus tard. Je me posais la question. Mais bon. Voilà, donc on verra. Et je me souvenais plus de ce cas de typhon de Japon. Ce que l'instance internationale décidera. Mais on va voir ça, si c'est reporté. Enfin, j'y crois pas. Hein. Moi, reporter, c'est soit tu fais match nul, soit. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que quand tu te projettes, l'équipe de France, elle était encore pour gagner le tournoi à 1,60. Bah, moi. Dans ma réflexion, petite réflexion comme ça, je trouvais que c'était value parce que faut battre l'Écosse quoi, parce qu'après j'ai pas calculé en fonction des bonus machin et tout qui est devant l'Angleterre ou nous, mais je sais pas si c'est à la confrontation directe ou pas. Il me semble que j'avais été regardé, c'est au nombre de, je crois que c'est au nombre d'essais, mais il faut que j'aille creuser ça. Donc voilà, c'est 1,45 la France, je crois. Ouais, c'est. C'est ça, non ? Oui, je l'ai vu à ça hier soir, vite fait, là. Ouais. Bah, c'était un peu plus haut. Il y a une équipe d'Écosse qui jouera à domicile de chez domicile. Hein. Il n'y aura pas un pet de Français. Écoute, ça paraît beau comme ça. Après, l'autre jour, tu vois, par exemple, Brest-Angers au foot, je passais Coquelin, mais je me méfiais beaucoup d'Angers. J'avais bien fait de rien jouer dessus. Ouais. Mais là, c'est un peu pareil, les Écossais. Comme je vous dis, ça fait deux. Enfin, je vous l'avais déjà dit, mais prendre le bonus défensif à chaque fois contre l'Angleterre et l'Irlande, sachant que c'était Kistua Or qui fait un en avant en Irlande, alors qu'ils auraient pu faire match nul. J'aime pas trop. Je sais pas. J'ai un truc qui me revient pas. Il y a un truc que je sens pas là en Écosse, parce que mine de rien, les Écossais, pour les avoir vus, ça jouait pas trop mal. Voilà, je pense qu'ils ont un déficit de puissance, mais alors déjà j'ai vu que Teddy Thomas, c'est très bien, on le met pas, il rentre à la maison là. Il jouera pas ce week-end, c'est pas grave. Mais parce que la dernière fois c'était lui qui avait fait la. Il défend pas bien en fait. Oui, voilà, c'est ça son problème. Donc là, on va être plus costaud sur l'aile. Je sais plus qui va mettre, mais voilà. Donc ça paraît sur le papier très alléchant, le France 1,40, 1,45. Mais attention, avertissement, tu nous préviens. J'ai un léger doute en fait. Et moi-même, je suis même pas sûr. Après, j'ai un pari long terme sur la France gagne le tournoi à 17. Ça, mais j'ai un petit doute en fait. Et j'avoue que pour l'instant, je ne me suis pas positionné personnellement sur ce match-là. Ok, bah, donc si t'attends la compo de cet après-midi peut-être, non ? Bah, déjà, il faut que j'attende les compositions. Mais même sans les compos, j'imagine très bien ce qu'il va mettre. J'ai un doute, donc j'aime pas ça en fait. Si t'as un doute sur ce match-là, t'as aussi peut-être un doute sur Angleterre-Galles. Absolument pas. Alors là, l'Angleterre, un 17. L'Angleterre n'arrête pas de descendre parce que leur maître à jouer Bigard est blessé. Okay. Il s'est pété avec Northampton le week-end dernier. Donc que j'ai vu ça, Adams, leur meilleur entre guillemets joueur, enfin meilleur joueur, c'était leur meilleur marqueur d'essai, est pété aussi, et pas là. Liam Williams revient, donc ça c'est très bien pour eux, mais l'Angleterre, pour moi, gagnera ce match
je dis pas haut la main, mais je pense qu'il y a une petite différence quand même. Ah ouais, limite 1,17, c'est value quoi. Un 17 c'est plus value, mais c'était un 25, un 28 encore il y a 10-15 jours je crois. Là ça l'était, mais non, non, un 17 c'est pas value. Si vous avez un 17, autant prendre Angleterre moins 5. Ça fait un essai non transformé. Mmh. Alors le safe du safe c'est moins 3, un peu moins safe c'est moins 5, mais un peu moins safe encore c'est moins 7. Vous avez compris que ça fait 3 pénalités, ça fait 3 points c'est une pénalité, 5 points un essai non transformé, 7 points un essai transformé d'écart. Voilà, mais moi honnêtement je vois à peu près 10 points d'écart au minimum entre les deux formations. Ok, on anticipe un tout petit peu. Vas-y. France-Irlande, la France à 1,50, j'imagine que ça a bougé beaucoup ces derniers temps, non? Ou sont les codes vont encore bouger après la journée hein. Forcément ça fluctue, hein. Ça fluctue, mais on était au début du tournoi, on était beaucoup plus haut. Ouais, on était près loin parce que de les bookmakers avaient sorti les codes quasiment de tous les matchs, quoi. Donc voilà. Très bien. Bon, on n'anticipe pas trop. C'est dans une semaine, c'est tellement loin. Et entre-temps, étape par étape. Non, normalement, en principe, pas d'annulation. Ça va jouer France-Écosse, France-Irlande. Oui. Je pense que ça va jouer. Par contre, petit doute si ça va pas se faire à huis clos quand même. Oui, ben. On verra. Parce qu'on est en train de découvrir ce que c'est qu'une échelle logarithmique en ce moment avec ce machin là. Qui va rembourser mon appart, moi? Je vais envoyer un message à la Fédé. Non, mais t'imagines que tous les mecs, les transports, le logement, bon, le billet, tu te fais rembourser du match s'il n'a pas lieu. Mmh. Et à un moment donné, c'est bon, quoi. Économiquement. Bref, ne faisons pas de pub. Attention. Non, allez, Ligue 1. On enchaîne. Ouais. Ah non, mais attends, mais il y avait. Ah, tu veux tes. Ouais, le problème, il y avait des compètes. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas les équipes, c'est chiant. Il y avait du championnat anglais. Voilà. Donc, il y avait du championnat anglais. Il y avait. Alors, ce qui est bizarre, c'était un match de Pro 14 et avec une équipe d'Italie. Oh! C'est bizarre. Hein. Enfin, ouais. Alex, c'est qui? C'est à l'extérieur. Non, mais c'est Parme ou c'est... Trévise qui va jouer au Dragon. Et ça, je comprends pas, moi, comment ça fonctionne. Comment ça se fait que j'aurais des joueurs. T'annules l'Italie, mais Trévise, non, parce que c'est toute l'équipe. Mais oui, non, mais c'est ça que je comprends pas. Et donc, pour l'instant, c'est toujours proposé par les books, donc ça veut dire que ça doit être jouable. Donc, j'ai un gros doute, en fait. Je comprends pas. Forcément, je comprends pas. Donc ouais, Trévise, en principe, c'est juste à côté de Venise. En principe, c'est en Italie. Enfin, si ma géographie me joue pas du tout. Ouais, c'est pas très loin de la Lombardie. Enfin, c'est dans ce coin-là où c'est chaud, c'est quoi. C'est ça. Donc, il y a une journée de championnat anglais. Après, alors, autant vous dire que toutes les équipes qui jouent à domicile, les codes sont massacrés. À part le Worcester Northampton. Où le Worcester est à 2,50 à la maison. Alors, wow. J'avoue que j'attends les compos. Mais Northampton, il n'y a pas Bigard déjà. Il manque aussi des internationaux parce qu'il y a 6 nations. Donc, je comprends pas. Je vais fouiller. Fouiller de vos côtés, de votre côté aussi. J'attends la compo d'équipe. Mais un Worcester à 2,50, je sais pas le handicap, il faut voir. Mais ça me fait de l'œil en fait. Ça me fait de l'œil et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, bah, tiens, ça, il faut que je surveille. Donc, voilà, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi c'était. C'était comme ça, parce que Worcester, ça reste sur une équipe assez classique. Et Northampton, il y a quand même. Il y a quand même des changements. Voilà, j'avoue que si j'avais un truc à prendre. Une cote qui me semble value, ce serait 2,50 de Worcester, parce qu'en rugby on sait que 80% des équipes gagnent à la maison, même si Worcester est un peu dans le dur en ce moment, mais bon, voilà, j'avoue que je comprends pas, donc je vais attendre les équipes. Si c'est les deux meilleures formations, bah je sais pas, j'irai plutôt sur Worcester pour assurer, peut-être avec un handicap, mais je les vois pas prendre une branlée en fait à la maison. Voilà, ça m'a surpris en fait, quand j'ai vu cette cote-là. Donc voilà pour moi, et en Pro D2, j'ai pas vu de choses qui m'inspiraient. Là, c'est vrai que c'est un peu léger au rugby. Bon, si, il y a l'Angleterre, pour moi, ça fait pas un pli. Et ça, c'est sûr et certain. Et Worcester, faut voir, mais la cote à 2,50, si jamais l'équipe, c'est celle que je pense, je la prendrai. Ok. D'accord. On peut enchaîner sur le foot. On y va.
Donc prochaine journée de Ligue 1, avec certaines équipes qui ont joué dans la semaine, qui seront un petit peu plus rincées que d'habitude. On les regarde. Allez. Équipes, là. On commence par Saint-Té, par exemple. Non. Qui reçoit Bordeaux. Ouais, bah non, c'est un match que tu touches pas. Tu sais, ils ont fait leur match de leur, c'est le meilleur match de leur saison qu'ils ont fait hier soir. Non, mais justement, est-ce que c'est pas parti? Et moi, je me pose la question. Moi, je commencerai à m'intéresser à Saint-Étienne quand le Caserie à un moment reviendra en fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, c'est trop tôt. Voilà, voilà, voilà. Parce que quand il y avait Caserie à un moment en début de saison, ils étaient pas mauvais. Donc. Et Bordeaux est pas si mauvais non plus. Donc faut. Saint-Étienne, Bordeaux. Moi, je touche pas en tout cas. Honnêtement. Je sais pas, très lisible non plus, j'y touche pas. Bon, Rennes-Montpellier, pareil, hein, ouais, avec un écho d'à peu près similaire. Montpellier, c'est costaud. Hein. Puis Rennes, c'est alternatif, donc voilà. mais merci les gars, ça c'est de l'analyse. On va te dire que cette journée-là, moi je vais te dire, j'ai rien à proposer sur cette journée-là. Je te dis tout de suite, même le Lille-Lyon, alors que je trouvais ça plutôt intéressant. Bah si, il y a un Dijon-Toulouse quand même les gars, non? Ouais, Dijon-Toulouse. Bah, c'est un peu notre fil rouge, Toulouse, ils n'arrêtent pas de perdre. Oui, Dijon-Toulouse. Il va être vendu, le club, je crois. J'ai vu ça hier. Un Dijon là, le Dijon était à 2-10, il a le 87 maintenant sur les points .fr. Un Dijon en drone Obet qui doit être encore intéressant, j'imagine. Vous pouvez trouver autour d'un 30 francophone étranger un peu plus haut. Ouais. vraiment du mal à voir Toulouse aller gagner à Dijon. Non, c'est pris 3-0 hein. Oui, oui, c'est vrai. À Dijon, à la maison. Faut les jouer quand même. Oui, oui, c'est vrai. Jouer. Et je pense pas que tout. La semaine dernière, Rennes. En gros, bon, j'aime pas les victoires sèches, mais c'était le cadeau. Oui, 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 à 2-20 à Toulouse. Ouais, excuse-moi, mais c'était. Voilà, donc bon, nous on avait dit de Renobet, tout ça. Bon, ça passe. Voilà, mais bon, en tout cas, Dijon à la maison, cette année ils ont perdu que deux fois. Oui. Ils ont gagné 5 matchs, 6 nuls. Donc honnêtement, vous prenez un drone au bête à 1,30, quelque chose comme ça, à mettre quelque part, ou même peut-être à prendre en simple. Et Toulouse à l'extérieur, c'est 0 victoire, 4 nuls, 10 défaites, 10 buts marqués seulement. Bravo. Je pense que ça se passe de commentaires. Oui, c'est vrai. Et je pense que Toulouse a surveillé jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il y a sûrement de l'argent à faire à jouer contre eux, sachant que là, sur leur dernier match, ils perdent chez eux contre Strasbourg, ils perdent à Marseille, ils perdent chez eux contre Nice, ils perdent à Lille, ils perdent chez eux contre Rennes. Ils sont sur une série, je pourrais pas vous dire comme ça, laissez-moi quelques secondes. Ouais, t'as ils sont sur... Attends, laisse-moi quelques secondes, je te dis ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils ont fait 12 défaites, 1 nul. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est reparti pour 5 défaites. C'est impressionnant. Regarde, je te montre, vous n'avez pas là. Mais regarde, hein, le petit rouge. Que du rouge. Non, c'est fou. Ouais, en gros, ça fait... sur Flash Résultat ou des sites de stats, c'est impressionnant. En gros, c'est 18 défaites, 1 nul, quoi. C'est à peu près. Ouais. Mais tous les derniers matchs, là. Donc, vous aurez pris un drone au bête à chaque fois. Une fois où vous étiez remboursé, vous gagnez tout le temps. Et ceux les plus téméraires, victoire sèche, bah alors là, je pense que vous avez fait un petit peu d'argent depuis. Il y a un autre match qui a des cotes à peu près similaires, c'est Reims qui reçoit Brest. Ah, mais tu vois, là. Brest, là. Regarde, alors c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Dijon-Toulouse et Reims-Brest ont les mêmes cotes. Ouais. Mais alors, c'est absolument pas les mêmes matchs. Non, pas du tout. Enfin, autant Brest, je me dis, on peut potentiellement aller gagner à Reims, même si c'est compliqué. Reims est super, super costaud bon défensivement. Je nous vois bien prendre un point. Et le but de Charbonnier. Alors que Toulouse, non mais ça j'ai trouché parce que ça n'en sert à rien moi. Mais Toulouse, je les vois absolument pas gagner à Dijon, et même prendre un point pour eux serait un exploit. Donc non, pour moi c'est ça qui est dingue, c'est à peu près deux cotations identiques à un petit chouïa près. Mais c'est pas du tout de même. Les matchs ne ressemblent pas du tout, quoi. Ouais, c'est vite enterré Brest, je trouve. Je le trouve, hein. Et ça, c'est super. Bah, c'est bien que t'es levé le loup, là, c'est ça qu'on dit, non ? Un lièvre. Merde. Je suis pas chasseur, je suis pêcheur. Non, mais non. Pardon. C'est pas la vieille truie qu'on apprend à faire la grimace. On est reparti sur les expressions, quoi. Ça, c'est longtemps. Je sais qu'il y en a un qui va réagir en commentaire. Ouais, je sais pas pourquoi. Comme la dernière fois. Mais réagissez. Non, non.
Surtout, sortez vos plus belles citations. Vos plus belles citations. Surtout celle-là, elle était belle. Non, mais attends, je rigole. Mettez-moi vos plus belles citations dans le domaine sportif. Et sportif, la prochaine fois, on va essayer d'en placer une ou deux pour vous faire plaisir. D'accord. Voilà. Non, pour moi, Dijon, là-dessus, Dijon de Renaud-Bette, Reims, Brest, j'y touche pas. J'y touche pas, même s'il faut aller gratter un point parce qu'on a perdu contre Angers. Et j'ai encore revu les images. Putain, on se prend juste un tir, quoi. Mais l'Arsenal, il ferme pas le premier poteau, ça me saoule. C'est le foot, moi. C'est le foot. Et qu'est-ce qu'on a? On a un intéressant, j'aurais pas non plus parié, un Lille-Lyon. Oui. Franchement, regardez à la télé, parce que si Lyon perd, c'est terminé pour leur place européenne. Si Lyon gagne, et ben là, le suspense est relancé parce qu'ils reviennent à 4, non? Ouais. Point, c'est ça? Avec un goal à average meilleur, donc ça fait plus de 3. Non, franchement, très intéressant à suivre ce Lille-Lyon. Donc, juste à regarder. Mais franchement, moi, j'irai pas mettre un euro sur un tel match. Il y a un autre beau match, ce sera Nice qui reçoit Monaco. Ouais, c'est un petit derby. C'est pas qu'un petit, hein. C'est un gros derby, oui. Les Niçois l'attendent avec impatience. Je sais pas s'il y a quelqu'un du côté de Monaco qui l'attend. D'ailleurs, ils sont déjà à huis clos, peut-être. Eux, ils sont déjà. Je sais pas. Ah oui, parce d'ailleurs, que c'est pas Martins qui a pris 6 mois à Monaco. Ouais. Donc, attention. Alors, vu qu'on est dans le foot, petit événement, Liverpool a perdu à Watford 3-0 la semaine dernière. Il a perdu contre Chelsea. Terminé le record. Deux à la suite. Hein? Deux à la suite. Ouais, non, c'est pour ça. Celui de la Ligue des Champions. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il à Liverpool? C'est la question qu'on peut se poser. Là, ils jouent, tu vois, ils sont à 1-24 contre Bournemouth. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je vous avais parlé de, il me semble, vous m'arrêtez, de Everton à suivre la deuxième partie de saison. Je vous ai pas parlé de ça. Si. Bon, là, par exemple, ils ont fait un 1-1 contre Manchester United la dernière fois. Ils ont perdu Arsenal que 3-2. Et avant, ils restaient sur 2 victoires, 1 nul. Et là, ils vont jouer, je vous dis ça, parce qu'ils vont jouer à Chelsea. Oui. Ils sont pas du tout favoris. Mais bon, je sais pas, un Everton plus 1. Me semblerait why not intéressant. Les 4 derniers matchs qu'il y a eu entre Chelsea et Everton, c'est 2 victoires d'Everton et 2 nuls. Bon, Everton plus 1 peut me plaire. Ok. D'accord. Rapidou, vous avez peut-être placé des trucs déjà sur les prochains matchs de Ligue des Champions. Ouais, moi PSG Dortmund, les deux équipes marquent, obligé. Parce que je pense que. Ah, la spéciale. La Damicote. La Damicote. Parce qu'il y a la Dimécote et la Damicote. Le spécial. C'est à combien? C'est 1,36, mais je pense que franchement, vu en plus. En fait, ce qui m'a fait redonner le truc. Parce que si les deux équipes marquent, si Dortmund marque, ça sent le pâté pour le PSG. Mais attends, tu vois le début match qu'ils ont fait contre Lyon, c'était pas rassurant du tout. Donc, je me suis dit que. Non, ça va être. Non, de toute façon, Dortmund va marquer. Le fameux BTTS de Damien. Ouais, mais écoute, ça marche pas mal, mais BTTS là. Tu l'as compris? Ouais, but, tout. Non, c'est boss, tout team score. Ouais, c'est ça. C'est en anglais, quoi. Ouais, BTTS. C'est ça. Pour les aficionados du Paris sportif anglophone. Ouais. Hein, bon, et il y a un manque. Il y en a. La preuve. Ouais. C'est ça. Ouais, je vais pas revenir. Mais c'est vrai que tu. Ouais, vu la défense du PSG et à Nantes en face, je dis pas que c'est à Nantes qui va marquer, mais. Non. Et il fait peur ce match-là parce que, bon, je suis un peu comme tout le monde, j'ai du mal à sentir PSG là. Je sais pas ce qui se passe trop là, mais après Neymar il nous fait chier en disant qu'il faut qu'il joue et lui il est suspendu. Putain, il nous emmerde, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est suspendu. Donc je comprends pas trop. Mais ça va être, et pareil, Liverpool en ce moment ils sont pas en forme. L'Atlético Madrid 1-0. Chaud, hein. Ouais. Donc on peut en parler un peu parce que c'est mardi, donc l'émission sera pas faite, et mercredi, l'émission sera pas faite non plus. C'est vrai que c'est intéressant. C'est pas lisible de toute façon. Liverpool, Atlético Madrid, on sait pas. Valence, Atlanta, Bergame, c'est joué, je pense. Oui, avec ce qu'ils se sont pris. Ouais, c'est ça, mais la motivation des équipes, là, les Bocs ont sorti un match quasiment 50-50. Ouais. Oui, c'est compliqué. Moi, je vais juste vous poser la question de l'impact d'un match à huis clos pour l'équipe qui reçoit. Justement, c'est un désavantage. C'est-à-dire que c'est pour ça que PSG, ils espèrent que eux, ce sera pas à huis clos. Mais ils ont raison. Tu joues le premier match aller dans un stade plein avec des supporters adverses. Et pas n'importe lequel en plus. Le mur jaune. Et toi, tu te prends.
un huis clos quoi, chez toi pour le match retour, bah, c'est pas du tout équitable en fait. C'est pas du tout équitable, donc bon, après ce serait le retour de bâton de ce qui s'était passé à Dortmund quand il y avait eu l'attentat, c'est-à-dire que quand les joueurs de Dortmund étaient venus jouer au PSG, bah, ils n'étaient pas non plus dans leur... Monaco à l'époque. Ah, c'était pas PSG, je sais plus. C'était Monaco Dortmund. Mais en tout cas, Dortmund n'était pas... Oui, t'as raison. Mais Dortmund n'était pas dans son meilleur état d'esprit pour jouer ce match-là. Et ça n'avait pas été décalé ni rien. Donc, bon, bah voilà, là, ce serait C'était limite indécent. On peut le dire. C'était n'importe quoi. C'est juste une question de sous, je pense. Une question économique encore derrière. Donc, écoute, voilà. On n'en a pas parlé, mais la Ligue des Nations, c'est sorti. Hein. Pour ceux que ça intéresse. Ah, gros enjeu. Ouais. Belles affiches, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? On en parlera plus tard. Ah, vous avez le Kosovo ? Le Kosovo. Qui a un premier match en Moldavie, le 3 septembre, excusez. Oh, bah, ils sont sortis. Alors, c'est ça le Kosovo est dans la poule de la Moldavie ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouais, mais parce que la Moldavie, c'est l'équipe la moins forte. Après, t'as le Kosovo, et je sais plus qui c'est, je crois qu'ils sont avec la Grèce, ou je sais plus avec qui ils sont, bon bref, mais pour vous dire que les Boomakers ont un peu de mal, par exemple le Kosovo pour PMU gagne en Moldavie à 1,32 et pour Vebet est à 1,46. Pas très d'accord. Après je pense que Vebet, ils sont agressifs sur le foot pour attirer des nouveaux joueurs vu que c'est un nouveau Boomaker Argent. Je te fais l'explication là vite fait. Voilà. Ok, très bien. Ça doit être pour ça. Mais on aura le temps d'en reparler. Mais je voulais en parler parce que c'était super compétition, la Ligue des Nations. On l'attend. C'est ça, avec impatience. Non, mais du coup, là, t'es en train de me faire bader parce que je suis en train de repenser à l'euro. Là. Qu'est-ce que ça va être, ce bordel ? Ne faisons pas de plan sur la comète. Ouais. D'accord ? On verra rien. Moi j'ai un autre truc vite fait, Manchester United, Manchester City. BTTS. Exactement. Un autre BTTS pour Damien. Cette année, deux matchs sans marquer de but à domicile pour Manchester United, toutes compétitions confondues. Ah c'est tout ? Ouais. Et pas mal comme ça. Quatre sans encaisser, Manchester City à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Ouais. Voilà. Et c'est combien la cote ? 1,58, donc je la trouve intéressante, et puis peut-être aussi que... 1,58.fr j'imagine. Ouais, c'est ça, oui, je l'ai pris en FR. Et bon, Manchester a joué hier soir, Manchester United a joué hier soir, avant-hier soir aussi pour City, donc je pense que ça va être un match ouvert, Manchester City, voilà, ils se font pas rattraper par le troisième, donc ça va jouer, et puis... Je pense que ça va être ouvert, quoi. Oui, je pense que ça va être ouvert. Puis surtout qu'il y aura un peu de fatigue, on se dépêche. Okay. Très bien, avant de clore la boutique, Dame, t'avais un petit pari MMA. Yeah, allez, on y va. Israël Adesanya contre Yoel Romero. Combat pour la ceinture. Ah, vous aimez bien mes noms. Hein. Allez, combat pour la ceinture des middleweight. Israël Adesanya, grand favori avec un 30. Hop, je dis des conneries. Hop, les fiches, il y a du vent. Oh là là. J'ai ouvert la fenêtre, j'aurais pas dû. Putain, c'est ça. Je vais éternuer. Fais le vent. Oui. Non, c'est ça. Effet spéciaux dans ce pari gagnant. Adesanya 1,33 pour la gagne, 3,40 pour Yoel Romero. Adesanya c'est un 18-0-0 et un Romero c'est un 13-4-0. Voilà, Israël Adesanya. 4 c'est quoi c'est... 18, pardon. De, c'est 13 victoires. 13 victoires, pardon, 4 défaites et 0 match nul. Donc voilà, Romero, lui, il part sur ses 5 derniers matchs avec 3 défaites et 2 victoires. J'avoue que je sais pas ce que Yoel Romero fout là, parce que voilà, normalement il a perdu ses derniers combats. Je comprends pas que quand tu perds un dernier combat, tu vas tirer un match pour le titre contre la ceinture. Voilà, Israël Adesanya, c'est un garçon que je suis depuis le début. Honnêtement, quand il est arrivé, je me suis dit, ils font des gestes, c'est bizarre, ils parlent. Non, j'ai Bernardo qui essaye de me dire un truc, mais je comprends pas. Ouais, c'est pas ça. Je reprendrai l'antenne 15 secondes après Damien juste pour dire un truc. D'accord, c'est ça. Donc Israël Adesanya, c'est un striker, voilà. Franchement, il est très 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 beau à combattre. Il est précis. Voilà. Au début, je pensais qu'il y avait une hype sur lui au début quand il est arrivé, et finalement, non. C'est un super combattant. Yoel Romero, lui, par contre, c'est un combattant expérimenté. Il a 42 ans.
Voilà, il a déjà combattu pour le titre, il a eu des belles choses. J'ai du mal un peu, en tout cas, à lire le combat. Mais tout ce que je sais, c'est que je pense que ça va pas se finir tout de suite parce que l'un comme l'autre vont se méfier. Et j'ai trouvé une petite cote, un over 2 rounds et demi à 1,61. Sachant que je pense que Adesanya va aller doucement parce qu'il a peur d'une frappe de Romero qui pourrait le coucher à tout moment. Et puis après, Adesanya, quand il pourra accélérer, il mettra. Mais je pense que ça se jouera à partir du troisième round, ce combat. Voilà. Et c'est pour quand les paris MMA en Argel ? Bah, quand je pense que quand il y aura une première... compète organisée, je pense. En France, d'accord, voilà. Je pense. Mais on ne sait pas quand. Voilà. Et nous terminons par un point information complémentaire de Benoît. Vite fait, athlétisme. Donc, vous le notez, celui-là. Sacha Zoya, c'est un... Alors, je vais dire un nouveau français, entre guillemets, parce qu'il avait le choix entre pour courir pour l'Australie, Zimbabwe et la France. Il a choisi de courir pour la France. Il a le record du monde junior du 60 et... Exact. Donc je pense que la future pépite de l'athlétisme français, on avait besoin d'une locomotive, en fait. Je pense que ça peut être lui. Et on le verra sur les Jeux de Tokyo. Si on prend l'autre impôt des rats du fait qu'il y aura ou pas des si Jeux de Tokyo. Si on parle du principe qui y sort, c'est ça en fait, c'est ce que tu es en train de me dire. Est-ce que ce sera un petit galop d'essai, quoi, ne serait-ce que pour choper un peu d'expérience et voir comment ça se passe une compétition. Il faut qu'il soit qualifié, de toute façon, non ? Bah c'est ça, ouais. C'est comment ça se passe pour les qualifs. Oui, non, mais c'est ça. Mais je pense qu'il pour la qualif. Ce sera quoi, sur le 100 mètres ou du 110 mètres haies ? Il n'y aura pas de problème. Oui, c'est ça. C'est pour les 110. Ok. Donc voilà, bah, j'espère pour lui, vu qu'il a 17 ans quand même, le petit, il n'est pas très vieux, ça pourrait lui faire une bonne expérience. Et non, mais je regarde ça parce que si jamais il l'est fait, ce sera très 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 compliqué. Mais vous savez très bien que pour faire un podium ou même une finale, mais moi je mettrai forcément un billet dessus parce que, comme vous savez, un jeune athlète, tu ne connais pas son plafond de verre. C'est ton Remco Evenepoel de cette année. Tu connais pas qu'on ne verra pas sur tu connais pas son plafond de verre et les boucles non plus, et donc ça j'aime bien. Après j'ai pas la certitude qu'il va faire les Jeux Olympiques, mais s'il les fait, je surveillerai forcément ça avec attention. Donc voilà, il y a à suivre, parce que je te dis, il pouvait choisir l'Australie, le Zimbabwe ou voilà, donc il y a quelque chose à... Il a quelque chose, ce garçon-là, qui à suivre. Donc, j'espère qu'il va percer et qu'on entendra la Marseillaise en athlétisme sur une course de vitesse, parce que ça reste aussi de la technique, mais aussi de la vitesse. Ok. Eh bien, merci, messieurs. Voilà. On va clore cette émission et puis se donner rendez-vous la semaine prochaine pour des compétitions, s'il y en a. En pleurs ou pas. En position fœtale ou pas. Ouais. Là, je parle du PSG. Hein. En pleurs ou pas. Ouais. Ça... on a besoin de points UEFA, les gars. Arrêtez, parce que bientôt, même le premier du championnat sera plus qualifié directement. On va se récupérer sur la troisième Coupe d'Europe. Oh my god. Et puis, je saurai à ce moment-là si je vais bien voir France-Irlande. Donc, vous verrez ça à mon ton de voix. Si je suis euphorique ou non. Vous vous rappelez du nom de la première émission de 2020 ? 2020, ce sera bien. Quand on avait fait tous les... Ah oui, il y a plein de choses à voir. Je pense que ce sera peut-être la pire année au niveau de le moins de choses à voir, tout compte fait. Bah, pour le vélo, en tout cas pour la saison vélo, c'est déjà bien... Enfin, c'est une purge, quoi. Ça prouve qu'on est nul en Paris sportif, quoi. On n'avait pas prévu ça, du tout. Bah, c'est ça. Putain, merde, je pensais qu'il y avait un épidémiologiste dans la bande, là, mais que dalle, quoi. Ouais. Mais non, va falloir prendre l'impondérable virus que je n'ai jamais pris en compte pour l'instant, mais why not. Déjà le typhon, il m'a mis dedans pour 2-3 paris qui étaient super bien partis. Là, le truc pour meilleur marqueur de points, Farrell a un match en moins, si Sexton a un match en moins, bah c'est pour Ntamack, hein, alors que Ntamack c'était le 4e ou 5e favori, c'était pas du tout prévu. Voilà, donc c'est bon. Si la dernière journée est annulée. Oui. Et comment ça se passe pour le titre du Six Nations ? Il est donné à celui qui est premier. Ok. À ce moment-là. Ok. Je pense. Match annulé, il y a un point pour les deux équipes. C'est match annulé. Ok. Mais c'est. De toute façon, c'est les règlements IRB, c'est exactement comme le typhon. Ok.
Voilà. Ce sont des impondérables qu'on. Et là, putain, excusez-moi de vous dire. En 6 mois, mais ça me gave, t'aurais eu deux impondérables, mais deux beaux impondérables qui n'ont quasiment jamais existé, quoi. Oui, un typhon. Et un virus. Donc si quand t'es parieur, va falloir, mais et quand je parle, je le parle sérieusement, il va falloir prendre ces choses-là en considération. Non, mais c'est pas anodin en fait. Donc voilà, ce sera peut-être maintenant à réfléchir. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui pouvait nous tomber de hein, comment on a dit qu'on n'en ferait pas plus, mais on n'a pas cité. On n'a pas cité le nom du virus, la marque du virus. C'est ça. La bière, on n'a pas cité la bière du tout. Alors, juste pour. Les Vous Belges, avez vu non, mais je... la pub pour les Belges. Oui. Je le dis. Bah oui, carrément. Il y avait une image qui circulait où un mec qui vendait bière, un mec qui vendait bière en Belgique, c'était pour il avait écrit pour deux Corona achetées, une mort subite offerte. Ouais, bien joué. Elle est bonne. Allez, bravo les Belges. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À voir avec les placés, voilà. Bon, allez, à la semaine prochaine les gars. On ferme boutique. On ferme la boutique. C'est la semaine prochaine. Salut. Pariez gagnant, émission de sport et du pari sportif.